Salut, bienvenue à tous, c'est Victor Koretsky, on est sur le circuit des Jeux Olympiques de Paris 2024 et je vais vous emmener faire un tour. Ciao ciao. Attends, est-ce qu'il faut que tu reprends ça d'ailleurs? Tu viens de faire un petit tour du cirque olympique à l'heure. Ouais, non, ça va bien. Le circuit a été roulé pour la première fois aujourd'hui par les pilotes. Donc ouais, c'est intéressant. On s'est plutôt amusé parce qu'il y a eu pas mal de pluie en début de matinée et puis même jusqu'au repos à pied. Donc ouais, vraiment. Vraiment plutôt glissant avec les rochers glissants et les virages relevés vraiment par rapport à la pluie. Le parcours a besoin de se faire quoi. Ouais, il a besoin d'être roulé, on a besoin de s'y faire aussi donc voilà, à voir s'ils vont essayer de casser quelques endroits et tout ça pour améliorer le roulage de la course. Depuis 2023, tu as aussi rejoint le team Specialized Factory Racing. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette adaptation et également au niveau du matériel, puisque tu as désormais le choix entre trois châssis, le Epic, le Epic World Cup et le Epic Evo. Ouais, bah c'est vrai que le Epic, on l'a quand même mis de côté. On a plutôt les deux extrêmes à disposition. Sachant que voilà, le Epic Evo en cross-country, c'est quand même devenu la norme. Et le World Cup, c'est vraiment plus spécialisé sur les circuits ultra roulants ou vraiment artificiels comme on peut avoir sur des circuits olympiques. Donc, on va parler juste après sur le XCCC aussi que tu as utilisé à plusieurs reprises. Ouais, j'ai utilisé une fois sur le mondial, sur le XCCC. Après, c'est vrai que des fois on aimerait l'utiliser plus souvent sur le XCC et sur la course de cross-country, mais c'est pas possible. Il faut choisir un vélo pour le week-end. Donc, Au championnat du monde, vous pouvez changer. Voilà, au mondial, on peut changer parce que c'est deux courses indépendantes.
alors que sur les Coupes du Monde, le classement de la short race positionne sur, sur la grille de départ du dimanche. Donc voilà, c'est aussi des choix stratégiques. Et au Mondial, on n'avait pas cette difficulté-là. Donc, Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes sensations avec le Epic World Cup ? Quand est-ce que tu l'as découvert ? Qu'est-ce que tu en as pensé quand tu l'as roulé pour la première fois ? Comment tu l'as développé ? Comment tu l'as modifié à tes souhaits ? Ouais, donc le World Cup, je l'ai roulé pour la première fois cet hiver, en janvier. Ouais, c'est quand même un vélo très particulier, qu'on appelle un peu Softail, donc un mix entre c'est un Hardtail et un vélo avec une suspension. Exactement, ouais, c'est un vélo qui est quand même assez particulier à prendre en main dans un premier temps, parce qu'on n'est pas habitué à ces sensations-là, des sensations à la fois de semi-rigide et de tout suspendu, donc il faut vraiment arriver à le prendre en main et à le régler dans un premier temps, et une fois qu'on a passé cette étape, à rouler, c'est vraiment top. Il y a des circuits où on prend vraiment beaucoup de plaisir à rouler avec, surtout les circuits rapides. Et c'est vrai que d'avoir le choix entre le World Cup et le Evo, c'est bien pour nous coureurs. Ça nous laisse le choix vraiment de prendre le vélo qu'on juge optimal. Une finition raw sans peinture. Ouais, Niveau du poids, tu penses qu'il a combien ton vélo? Là, il doit être en dessous des 10. Ouais. En dessous des 10. Et ouais, c'est quand même plutôt ouais, pas mal. C'est plutôt intéressant. Sachant que on a quand même là aussi le confort d'un tout suspendu à certains moments. Donc, Justement, est-ce que tu peux juste me dire un petit mot sur ton réglage de l'amortisseur qui est très particulier sur ce vélo? Les trois termes, c'est no gulp, all gulp et full gulp, c'est bien ça? Du coup, toi, tu sais dans quel mode tu roules? Du coup, moi, j'ai donc no gulp. Ouais, le nom n'est pas super marrant à dire. Mais... donc, en fait, en gros, pour expliquer aux gens, c'est avec de la sensibilité, moitié de sensibilité ou zéro sensibilité. Donc, zéro sensibilité, donc no gulp. En fait, c'est vraiment la config la plus rigide. Donc toi, tu le roules comme ça? Moi, là, ici, sur ce circuit, je le roule comme ça, sachant que en fait, on peut rouler avec un full gulp, c'est-à-dire plus sensible, mais par exemple, si on veut rouler comme ça, on peut aussi jouer avec la pression et mettre un peu plus de pression. Voilà, ça peut vraiment, en fonction des types de pilotage et des types de pilotes, on peut vraiment jouer sur tous les réglages possibles. Et là, sur ce circuit-là, c'est vrai que c'est intéressant de rouler comme ça. Ok. Mais tu as quand même un blocage de suspension ou pas du tout? Oui, j'ai un blocage de suspension pour la fourche seulement. L'amortisseur, c'est automatique, ça se fait tout seul. Mm-hmm. Okay. Mais la fourche, on a opté pour un blocage de fourche. Peter, est-ce que tu peux me parler un peu de tes différences de sensations entre le Epic Evo et l'Epic World Cup, justement? Ouais, donc déjà, au niveau du vélo en général, sur les Evo, on a un vélo qui est quand même plus avec plus d'ébattement et qui paraît plus imposant. En plus, je le roule avec une fourche en 35, okay. Donc une fourche un peu plus rigide. Sur les Evo, donc en combien de millimètres? En 120 mm, okay. Avec un amortisseur en 45, donc avec 120 de débattement aussi. Il y a des coureurs qui l'utilisent en 40 de longueur, moi plus en 45. Je préfère avoir encore plus de débattement, ça me correspond plus et du coup ça me permet d'avoir beaucoup de sensibilité. C'est intéressant sur des circuits où le revêtement n'est pas du tout lisse et où il y a beaucoup de petits chocs, c'est vraiment intéressant. Et c'est plus dans ces moments-là que je préfère moins utiliser le World Cup et je préfère plus l'utiliser sur des circuits comme ici sur le circuit des JO, où c'est vraiment bien tassé, bien lisse, et c'est là qu'on l'exploite vraiment au mieux et on sent vraiment toute la rigidité du World Cup. Et les grosses différences, c'est le débattement entre le Evo et le World Cup. Et le World Cup, pour moi, l'avantage qu'il y a aussi, c'est voilà, le boîtier est un peu plus bas parce qu'il y a moins de débattement, donc ça permet d'avoir un centre de gravité un peu plus bas. Un vélo très rigide au niveau du boîtier. Ouais. Et du pilotage, ça t'apporte aussi également Au niveau du pilotage, c'est différent. Il faut être habitué à rouler avec aussi parce que ça change un peu les repères.
et le fait de ne pas avoir de sag sur l'amortisseur, ça ferme un peu l'angle de direction, donc il faut être vraiment habitué à ça. Et c'est pour ça que la prise en main entre les deux, elle est pas évidente, et il faut être vraiment habitué et toujours s'entraîner à rouler les deux vélos pour être prêt le jour où on doit choisir soit l'un soit l'autre. Victor, une autre question, quelles sont les différences entre toi, ton vélo de compétition, et le vélo de monsieur tout le monde qu'on peut trouver en magasin? Ouais, bah après c'est plus ça va être plus vraiment au niveau des réglages, suspension et même tout ce que je peux avoir au niveau du pilotage. Moi j'aime bien utiliser les blips avec la beepbox. Comme ça en fait je peux mettre les boutons vraiment où je veux. Tu peux expliquer ce que c'est ça concrètement? Ouais, donc c'est le système qu'ils ont sorti au début pour les vélos de chrono plutôt. Donc c'est un boîtier avec quatre entrées de boutons, et en fait on peut régler plein de choses dessus. Et donc moi j'ai à gauche j'ai le blocage et la tige de selle télescopique, et à droite j'ai les vitesses, donc avec vitesse montante, vitesse descendante. Et donc du coup tu peux vraiment ajuster et adapter vraiment la position des boutons pour que ce soit le plus ergonomique possible, et moi ça me plaît beaucoup. C'est léger, c'est ergonomique, et en même temps c'est discret aussi. Et puis c'est vrai qu'avec le World Cup, il y a la butée au niveau de la direction, donc ça permet aussi de ne pas abîmer les shifters. Okay. On se voit l'un des prochains en juillet à Elancourt, ou... Ouais, j'espère faire être de la partie, et puis aller chercher cette médaille olympique qui me manque. Cool. Bon, moi je vais aller rouler le Epic Expert de mon côté. Je vous donnerai aussi mes impressions sur ce vélo. Victor, encore merci. Et puis bonne quête olympique, j'ai envie de te dire. Merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié de découvrir le circuit d'Elancourt et également ce vélo, l'Epic World Cup. Encore merci à Victor Goretzky pour son temps. Si vous avez aimé ce contenu, vous pouvez vous abonner et également lâcher un gros pouce bleu. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus, ciao ciao.